Après les professionnels, on passe aux futures stars de la balle orange. Ce week-end, c'était le lancement officiel du Cholet Mondial Basketball. Comme d'habitude, il s'est fait sur le terrain de la salle d'Armaillac. On écoute Antoine Rivreau, c'est le président du Cholet Mondial Basketball. Il va justement nous parler de cette édition 2018 et puis il va revenir aussi sur les équipes qui vont s'affronter sur le parquet de la Meilleraye. C'est devenu traditionnel, ça fait partie du calendrier, du timing de lancement de l'édition chaque année. Donc on part sur une opération associée avec la section basket de la Jeune France, qui elle fait son opération galette, on profite au niveau des vœux des parents et autres. Et nous on en profite, on fait la remise officielle du t-shirt collecteur avec le partenaire, le conseil départemental. Et on lance le décompte Baudet dans la cour en même temps, donc on est à moins 78 jours aujourd'hui. Ouais, donc ça permet d'avoir en plus une animation pour le club en même temps. Parlons un petit peu du parrain cette année, c'est qui ? Alors le parrain, c'est David Michino, hein, dont c'était un juste retour puisqu'il a gagné le tournoi avec l'Élan Chalon en 2012. Malheureusement, du fait du calendrier sportif ce week-end, il sera absent pour le fameux tournoi KO qu'attendent les jeunes du club à la mi-temps. Là, mais bon, on a toujours des solutions de rechange et puis donc... On a retrouvé deux jeunes espoirs qui sont leaders du championnat national actuellement, qui ont fait le tournoi, Yanis Talgot et Quentin Ruel, qui seront là pour participer au tournoi KO avec les jeunes. On rappelle un petit peu le tournoi KO, le principe pour les gens qui ne connaîtraient pas. Le tournoi KO, c'est un concours de tir avec élimination directe de celui qui est devant si on tire avant lui. Voilà, c'est tout simple. C'est une animation et un jeu qui est souvent confectionné pour les petits. Bon, on sait que ce moment-là, c'est aussi un moment un peu particulier pour parler un petit peu de ces équipes, justement, du Cholet Mondial Basketball. On pense, sur le papier, qu'on a travaillé correctement sur la représentation, que ce soit internationale et française. Donc au niveau français, on va commencer par les françaises, donc l'équipe locale Cholet Basket, donc qui sera accompagnée de la JSF Nanterre, le Mansarde Basket, et une nouveauté, c'est rare au niveau des clubs français, le CSP Limoges. Voilà, une nouveauté, puisque Limoges n'avait... toujours pas participer à cet événement du fait de sa non-volonté par une période de formation. C'était tout pour l'équipe première, avec bien sûr des grands titres. Mais voilà, le CSP Limoges fait son entrée dans le giron du tournoi de la Jeune France. Au niveau des équipes européennes ou internationales ? Alors là, donc là, oui, les équipes étrangères. Donc on aura le vainqueur de l'édition 2017, HM Torrelodones, le finaliste, Lüwitzburg, les Allemands, qui sera présent. Le vainqueur de l'édition de 2016, Turin. Et donc après, on a le CSK Moscou qui fait son retour. Donc là, on est très fiers de pouvoir les recevoir de nouveau, surtout des clubs d'Euroleague. Le Valence Basket Club, club d'Euroleague aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on complète par des nouveautés qui sont le Future Star Prague, une académie de Prague. Ridley College, les Canadiens, donc ils représenteront le nord-américain. Et puis, je finis par le club lituanien, Visi Kartuvinius.